papier, camarade, c'est que je vais me barrer. Nicolas. Ouais. Ah, pauvre gars. Il n'est pas payé. Ouais. Bon. Bien bonjour, tout Guadeloupéen, tout travailleur en mouvement, tout militant collectif, des organisations qui en ligne. Bien bonjour et la vie est belle, moi, c'est plage. Je ne vais pas faire une petite plage. Vous saisissez ces plages en papier bois. Alors, avant de se remarquer, nous avons une circonscription en Bénin. Avant de se remarquer, ça. Nous avons une circonscription en ministre de l'État français. Ça veut dire que tout ça nous a fait, tout ça nous a dit, tout machin que nous a fait depuis le matin, et ni renseignement généraux, et ni mon regard jusqu'à maintenant pour tout ça nous a dit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, rendez-vous à mon matin, ce bonsoir. Parce que nous avons un message à envoyer pour l'État français, pour ce qui est ma représentation politique à nous à Bordeaux. Rappelez que mon ministre, député et vice-ministre. Autrement dit, les 5 dernières années, gouvernement Macron, c'est eux qui votaient l'obligation vaccinale. C'est eux qui votaient toutes les lois liberticides qui offrent une liberté fondamentale à nos femmes et à nos femmes Guadeloupe. Et c'est eux aussi nous qui avons finalement, compte tenu du fait que nous avons une espèce de divinité collective qui dégageait, continue de faire également que de moins en moins, grâce au micro, que le virus a moins d'impact à ce qu'on a le monde, il faut envisager retrait à l'obligation vaccinale à partir du mois de juillet. Ça, c'est pour l'État français, c'est pour le territoire français. Et pour les territoires d'outre-mer, c'est même vite là parce qu'il y a quelqu'un également dans nous, c'est français, là où il y a la guerre en français, la guerre nous, même si nous savons que depuis combien de temps, nous pas concernés par diffusion massive à virus là. Et même si nous concernons, c'est parce qu'ils ont mené par nous. Ils ont contaminé nous. Donc je dis le premier message que nous devons pour m'amener, c'est de dire qu'on s'asse, ou tes députés ont voté, ou commandé nous, vous votez pour quitter, pour annuler ça ou faire matin. Qui j'en peux comprendre que nous faisons confiance dans le gouvernement comme ça, dans les représentants politiques comme ça, pour les députés comme ça, hier matin. Au nom de la science, ça va me dire, au nom de la médecine, ils ont décidé, il faut faire un homme, il faut piquer tout le monde, pour soi-disant protéger eux. Et parce que dès l'année après, ils vont constater que son absurdité, que ça va servir à rien. D'autant que je dis là, nous nions en réalité qui est établie, scientifiquement également, des bouquins, vous pouvez porter. Ou que pas 3 ou 4 ou 4, autant de doses que nécessaire parce qu'à partir du moment où il y a une bonne immunité encore. Et donc, réalité scientifique là, ça. Premier message, nous avons envie de dire, on n'a pas toujours pour nous abroger par abroger, il faut observer. Il faut se reconnaître. Que sont asservis, nous, nous avons un vaccin, nous avons un piquet. Et ça permet donc effectivement de rendre nous terre en France. Premier message. Donc, ça veut dire. Que pour nous, le mois de juillet, nous définissons. Nous définissons, nous voyons que nous connaissons, c'est normal, c'est soi-même, à nous connaissons, ça veut dire corps. Asservissement à corps. Asservissement à l'esprit. Asservissement à l'homme. Nous comprenons ça depuis longtemps. Et donc, par conséquent, c'est naturellement que votre pays a poussé à l'obligation vaccinale. Et à toute humiliation, etc. Mais sinon, c'est nous. C'est normal que l'esprit à ça. Quelqu'un m'a dit établissement de santé, social, médico-social. Révoltez-vous depuis le 9 septembre, déposons Pierre Livgrève. Et nous avons depuis le 9 septembre, pour dire comme ça, nous choisissons un métier, nous pratiquons un métier, nous prenons cyclone Irma, nous prenons incendie à CHU, nous prenons tremblement de terre, nous prenons toute tribulation qui vient dans la société naturelle, là, ça, qui, je ne peux pas imposer nous encore une fois, rôtez-nous à notre travail, nous, parce que nous avons raison, prenons un petit fossé. Qui j'en veux dire, ça veut imposer des médecins, des scientifiques, des biologistes, des infirmiers, des gens qui connaissent ce que ça veut dire vaccin. Qui j'en veux dire, ça veut dire, ça prend un vaccin, on peut travailler alors que travailler là, on peut là. Ça veut dire qu'on va faire un avec eux, choisir. Qui j'en veux dire, ça, scientifiquement,
qui empêche au monde qui choisit la qualité de vie, la qualité des soins, c'est que pour pouvoir continuer à vivre et à ce que les soins font par le travail, son absurdité totale. Deuxième message que je voulais maman Bénin, c'est que sous son femme, sous son homme, sous ses représentants en peuple, en société, on doit être vous aussi, on doit être hier. Yeah. Et quand vous exigez qu'on fait chanter là, pas demain, pas la guérir. Je dis la vérité, c'est conséquence à vaccin là. Qui est-ce les soignants? Qui est-ce la société européenne là? Qui est-ce le de soins? Qui est-ce la dislocation du système de soins en Guadeloupe? Il faut on dire la vérité. Si vous ne pas dire la vérité, si vous ne pas dire que vous trompez, que vous couronnez, que vous faites confiance, c'est que bien évidemment, vous pas nous, ou pas député, ou ne pouvez pas représenter les Guadeloupéens. Vous ne pouvez pas représenter les Guadeloupéens. Autrement dit, c'est même mensonge ça qui va être distillé dans le prochain mandat, que nous chacun comprend. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous pas dans le cinéma. Nous ne pouvons pas compter pour pas mal propre, pour pas mal fait, pour pas monter, pour pas manipulateur. Nous ne pouvons pas dans le mal propre à d'autres. Et quand on s'en met ça, quand on est vivant, une portée à dans le cadre de la race, pour 60 ans de moule, nous en campagne, même côté que nous, même côté qui nous. Si nous ne pouvons pas compétir, nous ne pouvons pas bien. Nous avons un représentant immédiat, estampillé, tamponné Macron. Parce que nous décidons comme Macron, on se dit pas Franchou. À Franchou, Franchou est le mien, nous avons Franchou à pitié là, ça aussi. Et ça, c'est un message qui clair, qui ferme. Ça, c'est un message qui déterminé. On ne peut pas qu'à Franchou, on va nous payer. Sous prétexte que nous avons une majorité. Ou alors on discipline collective, ou alors une discipline qui impose d'abord la science. Et on dit pas les 2000 Guadeloupéens qui ont famille, qui ont tête, qui ont corps, qui ont travail. Et également des centaines de milliers de Guadeloupéens qui attendent pour mobilité. 100 000, madame de Guadeloupe, 100 000. Et au cas où vous dites, c'est comme aujourd'hui, là, finalement, on s'est trompé, on n'a pas pensé que le vaccin n'est pas efficace, il faut les prendre un jour ou alors. C'est pour tout le monde, ça. Autrement dit, si n'importe qui trouve notre troisième café SVT, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire vaccin, qu'est-ce que ça veut dire contamination, qu'est-ce que ça veut dire virus, SVT troisième, en troisième. Vous faites dire mon terminal, vous faites une secondaire, vous faites une licence, ou universitaire, ou député, ou passant, que vous m'avez dit, ou passant, que vous m'avez dit, fou mal quand. Fou mal quand. Pas venir dire nous, bon. Parole inutile pour dire voilà, finalement je me suis trompé et que finalement je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Non, 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 pas entendu. Eh bien, j'ai une façon pour faire entendre nous. Mais une façon pour nous, ou le PF, entendre nous. C'est que nous ne pouvons pas voter, à répéter pour pas mal propre, pour pas mal faire, pour profiter, pour tout le monde, nous ne pouvons pas voter pour ces mal propre là. Alors vous direz, ça y est, vrai. Tout le monde libre avec l'idée de votre aïe. Mais pas bien, on peut faire son pouvoir. On bulletin le vote sur le pouvoir. En moi, on était sérieux, bulletin le vote dans nous pour nous payer et manger. Vrai, travail, non châtif, non, on peut calimer le vote dans nous. En nous, arrêter de nous payer, faire nous comprendre son bulletin de vote, son passage, son adhésion pour manger, pour nous payer. Vrai, non! Son pouvoir, son autorité. C'est nous qui avons cette autorité-là. C'est nous qui avons fait nous, c'est nous qui avons député, c'est nous qui avons fait représentation. Nous avons fait une représentation parlementaire. Mais c'est nous qui avons le pouvoir réel là. Et le pouvoir réel là, nous avons justement l'occasion de ça. L'on ne peut pas mouvement. L'on sort de mouvement, si vous ne pouvez pas écouter, mais vous avez sanctionné. C'est ça la capacité en nous. C'est ça la disposition politique. Nous avons rappelé que nous avons des positions politiques avec Bitté là. Bitté là, ça passe par moi, on a des parti. On moune. Son pouvoir, son autorité, en tant qu'autorité, il faut nous servir avec chaque fois c'est nécessaire. Et l'occasion présentée, aujourd'hui là, à l'occasion de l'élection législative en français, en Guadeloupe, pour nous mettre sur ça, ça doit faire nous là, donc payer. Même si on veut payer politiquement, même si on toutes les administrations là-bas, la côté, nous les blanchés, de toutes les médecins au CHU, à nos prisons, nos hôpitaux, mon vilain bastet. Tout cela qui fait profitation, si vous nous payer, il faut payer le crimaillon. Et c'est ça que nous disons. C'est ça le directeur de l'ARS. Nous appuyons. Nous avons payé 8 mois sans salaire. 8 mois pas payé de tête. 8 mois pas payé de tribunal. 8 mois pas payé de tribunal. 8 mois pas payé de tribunal. 8 mois pas payé de nous avons payé. Mais ok, payez-nous. Ok, payez-nous.
pas payer nos salaires seulement, qui sont pour nous chercher à régler. Indemnisation à tout préjudice qu'elle est subie. Indemnisation à tout préjudice mental, moral, matériel, nous devons payer. Nous bien dire, mentir à la reste également. Non seulement, ce qui est payé, mais ce qui est payé, crime que ça fait, si le monde que ça tue au CHU. Ce qui est payé également, déficit à CHU-là. 100 millions d'euros de dettes fournisseurs. 150 millions d'euros de dettes structurelles de fonctionnement. Sans compter, bien évidemment, dislocation en l'homme de soins qui a passé, qui l'a prêté en compte sur le banc, qui a dans les établissements privés. Nous disons également, d'accord, nous faisons un choix nous, mais c'est nous qui avons l'argent. L'argent c'est Plime, et Plime qui a repoussé. Ça est secteur par contre. C'est que tout crime qu'ils ont fait, ils ont gagné à payer, même à notre corps 4 générations, ils ont monté à 100 000 montées s'il vous plaît. Crime là qu'ils ont fait, vous avez la vente qui est payée. Et si vous, dernier directeur général ARS, alors quand vous êtes venu comme ça, je n'ai pas les mêmes méthodes pour madame Pierre-Dessus. Et non, pour vous, je n'ai pas les mêmes méthodes. Donc ça veut dire quoi? Restez trois états malades de nous après-midi. Évidemment, ça c'est fonctionnaire, moi et croisé, t'as coûté. Et nous t'as gardé, t'as coûté, parce que nous sommes de toute façon, si vous coûtez, faut y avoir un coup en tête à haut. Et nous devons nous mettre un rat en tête à haut. Faut savoir qu'il y a un bon nous payer nos routes, syndicats nos routes, travailler nos routes. Et message là que nous venons pour débattre hier, pour dire qu'on sait que le crime, ça suffit. Et à présent, on fait les comptes, on va faire les comptes. Les comptes en matière sanitaire, les comptes en matière de dégâts humains, les comptes en matière de dégâts sociaux, les comptes en matière de dégâts totalement général par rapport à la situation générale à Guadeloupe. Et les comptes en matière, à part nous qui les payons, ces autres. C'est pour ça que nous avons dit que ma Bénin, Josila, à Saint-François, à dans six constructions, pas comprendre seulement qu'on a fait campagne tranquillement, comme si de rien n'était, et que l'on va lutter avec moi, je suis Guadeloupéen, je suis né en Guadeloupe, je le sens si même Guadeloupéen, j'ai le cœur Guadeloupéen, et que les Guadeloupéens même. Non, c'était hier, c'est fini. Merci au pays. Oui, c'est fini.